vous avez un problème pour copier un texte PDF et le mettre sur Word, parce que dès que vous copiez un texte PDF, vous mettez sur Word, hein, ça donne des formats bizarres. Quand vous faites votre mémoire, même si vous le transformez en Word, ça donne une autre forme. Et la solution est dans cette vidéo. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ça ne demande rien du tout, pas de mot de passe, ni nom, ni email. C'est gratuit et simple, facile à faire. Nous allons voir précisément comment recopier un texte de PDF et ramener sur Word sans toutefois avoir un problème. Parce que, regardez, on va prendre un exemple simple. Là, on ouvre notre Word comme ça. J'ai mis le document sur le bureau. Quand vous cliquez sur votre document ici, souvent ça arrive hein, quand on a un document et qu'on veut ouvrir, qu'on veut copier le texte, surtout pour les étudiants qui écrivent leur mémoire. Donc ici, voilà, quand on ouvre notre document en PDF comme ça, et quand on copie un texte sur PDF et qu'on remet sur Word, ici, regardez ce que ça donne, ça s'affiche comme ça. Donc pour le corriger, on a déjà un moyen. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez trouver la réponse à votre problème. On va apprendre ici dans la vidéo comment enlever cette erreur, hein, comment vous allez dire non seulement copier un texte sur PDF plus facilement, le transporter sur Word sans problème et corriger le texte. Vous pouvez directement modifier même le texte et l'enregistrer. Ça peut devenir même comme un travail que vous l'avez entièrement refait. Donc c'est possible avec une méthode très efficace. Nous allons vous montrer dans cette vidéo. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant ici, bon, quand on essaie de copier ce texte, on l'amène sur Word, on voit que ça donne le même problème. D'autres personnes vont dire que non, on transforme juste le texte là en Word et puis tu copies. Maintenant essayons de voir. Le texte est là, bon, quand on veut le transformer en Word, ça veut ouvrir avec, on vient sur ouvrir avec. Le texte est en PDF, hein, on l'ouvre avec, maintenant on choisit d'autres options, on défile et on trouve, on choisit Word par exemple, qui est ici en bas ici, on choisit d'ouvrir avec Word, et voilà, donc, ça charge ici en bas là, vous voyez, voilà, ça prend un petit temps. Donc ici déjà, le principe c'est que quand on va ouvrir même le document en Word ici, ce document ne va pas être possible à copier le texte. On ne peut plus copier le texte qui est sur le document. Regardez, le document est ouvert en Word, on va activer la modification. Quand on active la modification en haut ici, à droite, dès que la modification va s'activer, vous allez voir qu'on ne pourra même pas copier le texte qui est sur le document parce que le document a été mis sous clé. La personne a verrouillé le document, c'est sous forme d'image. Donc ici, vous ne pouvez pas copier le texte, mais on a un moyen, comme je vous l'ai dit, pour copier le texte de ce document et utiliser le document là, modifier même le document, enregistrer, modifier les choses qui sont sur le document. Regardez ici, quand on peut copier le texte, ce n'est pas possible, ça déplace carrément le truc là en image, c'est sous forme d'image, donc on ne peut même pas sélectionner quand on transforme le document en Word. Donc il y a des documents en PDF là, qui sont comme ça, qui ne peuvent pas être copiés. Et même si on les transforme en PDF, on ne peut pas les copier parce que l'auteur a fait ça sous forme d'image. Maintenant, il y a une solution. La solution, c'est une application. On a une application là. Donc, on a mis le lien juste en bas de la description. On a mis deux liens. Il y a un lien qui conduit à télécharger l'application pour les Mac et il y a un autre lien pour télécharger pour les Windows. Donc, vous allez juste à la description là. Vous pouvez télécharger l'application. Dès que vous la télécharger, vous pouvez facilement copier le texte. Regarde, ici, on n'a pas besoin d'enregistrer vu que ce n'est pas utile, on ne peut pas l'utiliser. Maintenant, l'application est là. Quand vous l'installez, l'application, elle va s'afficher comme ça. Vous le voyez au bureau là et elle va transformer tous vos PDF en ce format de l'application. Donc, quand vous cliquez maintenant ici, regardez, on peut même modifier. On peut modifier ici, on peut écrire, on peut même écrire d'autres textes ici, modifier tout le texte, on peut faire beaucoup de choses. Si vous parcourez juste les fenêtres ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire sur cette application là, ici aussi à droite ici. Donc ce sont des options que je ne pourrais vous l'expliquer tout maintenant. Donc on vous dit juste que cette application, non seulement ça vous permet de copier les textes comme vous le voulez, mais vous pouvez faire beaucoup de choses, s'amuser avec. Donc bon, allez dans la description et amusez-vous. L'application est là, nous l'avons téléchargée il y a quelques jours, donc ici c'est l'application. Ça sert que vous cliquez sur PDF Film, une fois téléchargé, vous cliquez dessus, vous faites oui ici pour l'installer. Nous on a déjà installé, on ne peut pas continuer encore à l'installer, vous cliquez sur oui, et après vous cliquez juste sur suivant, suivant ou next, next en anglais. jusqu'à la fin et c'est déjà fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas, allez d'abord faire ça et si ça marche, vous revenez et n'oubliez pas de nous mettre une pouce bleue et de liker et de partager la vidéo pour que d'autres aussi puissent avoir cette méthode-là. Donc, pour tous les PDF qui ne peuvent pas être modifiés ou qu'on ne peut pas copier le texte et remettre sur Word, utilisez cette application-là. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, modifier, copier, coller, changer, transformer, tout ce que vous voulez. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.